Je m'endors dans une ville nouvelle. L'esplanade, les après-midi. Et en fait, quand je repense à mon enfance, c'est comme si ça avait duré une seule soirée d'été. La résidence et puis... Infini. Le ciel. Très longue. Quand ça traîne, et que ça convient à tout le monde que ça traîne comme ça. Les films sont des trains dans la nuit. Je relis dans un agenda. Moi, je me souviens très bien des sensations, des couleurs, des gens, mais pas des dates. 18 juillet, Angoulême, pluie. Ben, au bout de 40 ans, t'as 40 carnets et donc t'as 40 ans de vie. Nul ne peut savoir. J'ai dû commencer ça donc en. À part moi. En 78, donc tu vois, ça fait 40 ans presque, c'est ça. Ça donne quand même le panorama d'une vie. Les films sont des trains dans la nuit. Enfin, c'est quoi une vie? Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie? J'aime le bitume et j'aime les tours. Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire un truc un peu plus stylé. La MJC. Je me suis retrouvée à la MJC de ma ville. Le mercredi. Le hip-hop, en fait, ça reste une danse que tu peux apprendre où tu commences tout seul ou tu viens ici t'entraîner avec des amis. Je n'ai pas d'avis sur l'amour. Moi, je pleure. Je suis quelqu'un qui pleure. Les films sont des trains dans la nuit. Des jeunes filles me parlent tout bas. On avait un petit appartement et mes parents sortaient tous les soirs. Amoureux, j'en garde un souvenir aussi. Tous les soirs, je me retrouvais avec Marie-Louise ou Jeannine ou Jean. Alors, je choisis cette vie-là. Je leur posais des questions, ne sachant pas exactement qui était mon père et tout ça. Les films sont des trains dans la nuit. Et puis, elle me chantait des chansons que je ne connaissais pas. Mes parents n'écoutaient que de la musique classique. Donc elle me chantait des chansons de Tino Rossi ou de que je trouvais jolies. Quelque chose, un jour, s'est passé.